Hey, salut tout le monde, c'est MLG, on se retrouve pour un nouvel épisode de Awakening Sky of Diamonds. Yes, le skyblock en diamant. Alors, par rapport à l'épisode précédent, j'ai fait un petit peu le ménage par ici. Il y a pas mal de choses qui ont sauté. Du coup, j'ai rangé tout ça dans les coffres, c'est un peu le bordel. J'ai cuit pas mal de verre parce qu'on va probablement devoir s'en servir aujourd'hui. Et j'étais en train de cuire un petit peu quelques minerais que je suis allé choper dans le Nether. Parce que je suis allé choper un petit peu de minerais dans le Nether, donc on en a un petit peu là. Tous ces minerais là j'ai pu les avoir en cuisant les Nether or finalement. J'ai récupéré beaucoup de quartz pour pouvoir les combiner avec de l'iron et avoir du enrich quartz iron je crois pour refine storage, parce qu'on va attaquer aujourd'hui refine storage. Oui, on a de l'énergie, maintenant je veux stocker. J'ai également pas mal fait de sieve, enfin j'ai sievé pas mal de trucs quoi pour avancer un peu au niveau de la récolte de ressources. Je sais plus si j'avais mis des trucs de côté là-dedans. Non, j'avais pas mis des trucs de côté. Donc ouais, dans ma time in battle, j'ai quand même 2h40. Donc j'ai un petit peu joué. Un petit peu. Voilà. Alors, une chose qu'il faudrait qu'on se fasse d'abord ici, au niveau de l'énergie, c'est qu'on en stocke. Pour qu'on puisse la redistribuer. Parce que si ces 5 magmatic crucibles n'ont plus d'énergie, ils vont un petit peu peiner. Donc, j'ai envie de faire un capaciteur classique comment ça s'appelle ? De Enderio. D'ailleurs, j'avais vu qu'on avait fait ça, vu qu'on était rentré dans les heures la dernière fois, j'avais pas chopé ça. Oh, un Demonicali Gargantuan Drum. Rien que ça. Eh ben. Eh bien, du coup, je pense qu'on va mettre ça au-dessus. Vas-y. Voilà. Comme ça, on stocke de la lave. Ça peut être une bonne idée. Parce que même si eux, ils en ont, là, je vais stocker un petit peu de lave. Parfait. Voilà, comme ça, il sert à quelque chose. Et lui, il me sert à avoir Fire Protection, c'est ça, si je les porte? Non. Faudrait que je me fasse l'armure complète, donc c'est pas très intéressant. Très bien. Donc, ce que je disais, c'est qu'il va falloir qu'on se fasse des batteries. Donc, on va se faire la classique batterie. Et on va en avoir une deuxième en plus, donc c'est très bien. Donc, Basic Capacitor, c'est parti. Basic Capacitor. Il y a toujours le problème avec la touche S, d'ailleurs. Tiens, je vais essayer un truc. S, qui... faut quand même que je le garde parce que ça me permet de reculer. Si je fais ça, ah, il me l'affiche plus. Ok, cool, c'était ce bouton là. Très bien. Donc pour le basic capacitor, qu'on va mettre de côté, il me faut des capaciteurs classiques. Donc il me faut copper, gold et grain of infinity. Donc il va m'en falloir 8. Copper, est-ce que j'en ai fait? J'ai pas fait de copper. On va en prendre 9 et on les fout dans la cuve là-bas. Et paf, je sais pas si le copper va se mélanger avec le lead ou l'iron. On verra. Surprise! Parce que je m'en souviens plus des alloys. Hein. Donc il me faut copper, je disais. Et il me faut gold. On va faire quelques pépites. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre le copper pour pouvoir faire ça. Il va falloir également du fer et du coup un bloc de redstone. Donc bloc de redstone, on va directement aller le chercher là-bas. Paf! Ça c'est fait. Et du coup du fer. 1, 2, 3, 4. Impec. Regardons là-bas si tout va bien. Ça, il n'y a pas eu de mélange. Donc, copper, j'ai 2 blocs. J'ai toujours pas fait mes castes. Il va vraiment falloir que je me bouge pour les faire. Parce que il y a quelques ingots qu'il va falloir que je sorte de là-dedans. Et que j'automatise également tout ça. Hein. Mais j'ai hâte qu'on puisse installer Refine Storage. Pour qu'on puisse commencer à se poser tranquillement et à se déplacer au niveau de nos ressources. Enfin, je m'explique très mal, je suis navré, mais en gros, avoir quelque chose d'un petit peu plus propre que cette chest-là et fouiller partout, quoi. En gros, c'est ça. Donc là, on en a 4, et du coup, Basic Capacitor, il est là. Du coup, je peux l'enlever de là-haut. Ah, j'étais en train de me dire, bah alors, tu fais quoi? Hop, comme ça, j'en ai un deuxième. Et on a un Common Loot Bag, d'ailleurs, je sais pas si je les avais gardés ici. Je crois que j'ai des Common Loot Bags à ouvrir. Ouais, j'en ai 2, là. J'ai tué quelques mobs dans le Nether, faut qu'on les ouvre ensemble. RF Capacity, donc de Hatchery, je ne suis pas très intéressé pour l'instant, donc tu vas te ranger là-dedans. Et pour ce qui est de l'énergie, on va mettre ça ici, voilà. Alors. Input, voilà, il faut que je lui dise. Donc il reçoit 1000 RF, c'est la capacité de ces câbles-là. Hein. Donc ouais, là on est en train de drainer toute l'énergie qu'il y a là-dedans. Ici il n'y en a plus, ici il n'y en aura bientôt plus, ici il n'y en a plus. Maintenant c'est à son tour,
et après c'est à son tour. Ce qui fait que Refine Storage, on va pouvoir le coller juste là maintenant. Enfin, on va pouvoir, faut qu'on le craft d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok. Ok, Ender Orb, Wing Charm encore. Je sais plus si je peux les faire fondre ces trucs là. Si je peux les faire fondre. Ok, donc tout ce qui est rail, je les ferai fondre à mon avis. Hein. Tac et tac. Et enfin le dernier, l'épique. Oh bah c'est pas si épique que ça finalement. Hein. Tiens, dégage. Ok, donc le contrôleur. Alors je vais d'abord noter tout ce qu'il va nous falloir pour Refine Storage. Aujourd'hui. Il va nous falloir du coup un minimum de 1K. Il va nous falloir le craft... Non, c'est pas le monitor, pardon. C'est le crafting grid qu'il me faut. Voilà, le crafting grid, il va me falloir. Il va me falloir évidemment le disk drive. Voilà, c'est tout ce qu'on va avoir besoin. Donc, commençons. Le contrôleur. Il va nous falloir évidemment du quartz enriched iron. Donc, ça, c'est plutôt simple à faire. Il va nous falloir du silicone. On va passer par le manufactory, tiens. Parce que l'autre... L'autre, les autres machines ne m'intéressent pas plus que ça. Oh, quoique ça peut être pas mal, ça, le pulvériseur. On va plus faire le pulvériseur. Ok, pulvériseur. Donc, il va me falloir du tin. Du tin, est-ce que j'en ai? J'ai du tin ici. À mon avis, il va y avoir quelques alloys qui vont se faire là-dedans. Hein, parce que là, je vais en foutre des saloperies. Go! Cette musique funky quoi. Donc on va avoir besoin de copper. Ah, il en faut plus du coup. Bah, le copper, je peux faire couler le bloc là. Hein. Ah du coup ouais voilà le copper il est bronze. Forcément. Je vais faire couler le bloc de tin. Et je vais remettre du copper dedans. Go. Tu me diras le bronze c'est pas plus mal. On en aura besoin aussi plus tard. Hein. Donc du coup bronze on a un bloc. Et 3 ingots. Et là, on a 6 ingots. Fais couler le reste de tin. Il faut juste que je mette 3 ingots, en fin de compte, là-dedans. Tiens. Pour éviter qu'il y ait des catastrophes. Hop, je mets 3 ingots de tin qui vont fondre très vite. Ok. Et ouais. C'est dans ces moments-là où je me dis, oh là là, il faudrait vraiment que je fasse mes casting gots. mais du coup, ouais, je vais avoir un peu de tin. Je vais avoir mon bloc ici. Le copper, une fois qu'il sera cuit, il sera bon. Très bien. Il va me falloir... Bon, ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Et du coup, ça aussi. Ok, très bien. Et on pourra le coller là-bas pour avoir l'énergie nécessaire. Hein. Il m'en faut 4, je crois. Parce que je crois que je peux directement faire les gears comme ça. Hein. Non. Fais voir. Avec un iron au milieu, très bien, ça me va. C'est pas trop compliqué. Tac, tac, tac. Bah alors. Il veut absolument l'autre tin. Oh, le relou. Il veut absolument l'autre tin. Oh. Oh. Mais c'est chiant. Bon bah puisqu'il veut pas, nous allons prendre du bois ici. Stick, dégage toi. On va faire un wooden gear. On va récupérer de l'or. J'en ai plus beaucoup de l'or. Hein. Est-ce que j'ai des gold or? Non j'ai pas de gold or. La vache, j'en ai là-dedans, ouais. On va faire des castes, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va dégager le copper. Et on va faire un cast en gear. Et on va remettre du tin dedans. Mais avant de remettre le tin, il faut que je vire tout le copper qu'on a. Hein. Oh, c'est pas chiant déjà de faire ça. Finalement, le manufactory, ça se trouve, aurait été plus rapide. Hein. Mais je sais qu'avec le pulvériseur, on pourra l'accélérer. Enfin, tu me diras l'autre aussi, hein, mais... Je sais pas, pulvériseur, je me suis dit pourquoi pas. Faut être sympa. Surtout que le pulvériseur, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on pouvait foutre... Oh, j'avais trop de trucs là-dedans. C'est qu'on pouvait mettre des compressed sand. Et ça, par contre, ça m'intéresse. Parce que ce sera plus pratique pour farmer directement le... Tu me diras si je fais K là. Ok oui. Bam. Voilà, c'est ça qu'on aime. Hop là, voilà. Et du coup, si je fais ça, K encore, bim. On a du double compress.
C'est justement ça que je veux faire passer dans le pulvée. Je sais pas s'il va prendre plus de temps qu'un sable classique. C'est justement ce que j'aimerais vérifier. Donc fais couler ça. Allô. C'est bien du molten gold, hein. Ouais. Il veut pas couler. Mais c'est pas vrai. Gear. Qu'est-ce que tu veux? Un stone? Eh ben je vais te donner un stone. Tiens, va-t'en le bois, j'en veux pas. Parce qu'apparemment, il ne veut pas. Donc on va en faire un en stone. Voilà. Voilà, ça marche en stone. Très bien. Donc on veut notre tin. Hop, on refout notre tin dessus. Je sais pas si le tin va se mélanger avec le gold, je ne sais plus. Et... nope, ça va. Donc ça demande 4... Attends, non. Métadata 4. Il n'est pas marqué combien de matériaux ça demande. Bizarre, vas-y, cool. Mais à mon avis, c'est bien les 4 ingots. Hein. C'est ça, c'est les 4 ingots qui sont en train de nous couler. Donc on va avoir notre tin gear. Eh ben, tous ces efforts pour ça quand même. Hein. Donc il va nous falloir du verre. Donc on va commencer par faire ceci. Voilà, machine frame. Il va nous falloir nos copper gear. Et là par contre, les copper gear, on va pouvoir... Ah, c'est pas le même copper. Fuck. Oh. C'est chiant ça par contre, hein. Je suis obligé de recuire mon copper. Et de le faire couler là-dedans. Eh ben. Tout ça pour avoir le silicone. Je vais me faire ça en attendant. Hop. Hop, je vais reprendre ça pour avoir quelques ingots en plus. Voilà. Est-ce que j'ai des pistons qui traînent là-dedans? Je ne crois pas. Donc on va prendre du bois. Faudrait qu'on se fasse des bonsai pots aussi, tiens. Est-ce que j'ai de la clé quelque part là-dedans? Ouais. Tiens, hop, tiens, hop, tiens, tiens, et enfin, tiens. Voilà, comme ça, ça va cuire et on se fera des bonsai pots après. On sera bien. Ça, j'en ai plus besoin. Il va me falloir de la redstone. Il m'en faut deux. Ah non, c'est bon, j'ai ce que je voulais, pardon. Là, ce qu'il me faut, c'est de la cobble que j'ai sur moi. J'ai ça. Et du coup, la redstone, non, c'était bon. En fin de compte, ma petite poudre de redstone, elle était là correctement pour me faire mon piston. Voilà. Il me faut deux petits flint. Bon. Flint. Voilà. Normalement, le copper a dû finir d'être fondu. Voilà. On va récupérer le copper ici. Que de méthode, que de méthode. Je sais pas combien de temps durera l'épisode, mais je compte couper l'épisode une fois qu'on aura Refine Storage. Hein. Pas avant. N'est-ce pas? D'ailleurs, Refine Storage, c'est ici. Ok. Pulvériseur, let's go. Donc le pulvé, on va le foutre là pour l'instant. Hein. Il a son énergie, il est très bien. Je te donne du double. Alors je sais pas si c'est l'animation ou s'il faut... Si, je crois que c'est l'animation. Il va me faire tout le silicone d'un coup. Ok. Ah! Ah, ouais, effectivement, il prend plus de temps à le faire, en fait. Oh. On va plus lui mettre un stack de ça. Ça ira un peu plus vite que de balancer juste le double compresse. Ok. Bon, bah ça, c'est fait. Maintenant, on va prendre quartz, iron, iron. Et on va se faire très rapidement ceci. Voilà. Normalement, il doit me rester du fer là-dedans. Ouais, il me reste un peu de fer. Donc je vais les garder, ces lingots de fer. On va ranger le bois. Très bien. Ça, on peut l'enlever. Donc pour le contrôleur, il va nous falloir donc le silicone, ça. Il va nous falloir ça également. Donc ça, il va nous falloir de la stone. J'en ai ici de la stone. Hop, tac. Je vais lui en demander 3, je pense. Parce que je vais en avoir besoin d'un ici et un là. Ouais, très bien. Et enfin l'Advanced Processor, ça va me demander un RAW Advanced Processor qui va me demander du silicone, ça, et le Processor Binding. Et le Processor Binding va me demander
du slime et des strings. Alors, slime, je crois pas que j'en ai. Hein. Je vérifie, mais je ne crois pas en avoir du slime. Ça va être problématique. Laisse ça là-dedans. Du coup, si je tape slime, je crois qu'il y avait une méthode. Oui, c'est ça, il y a cette méthode-là. Du lait, un champignon et on a un bloc, ce qui fait qu'on a pas mal de slime. Je vais prendre un barrel. Je pense que je peux faire ça. Oh, je vais quand même le faire dans un stone barrel, on sait jamais, parce que je ne sais pas si ce sera bon ou pas avec un barrel en bois. Hop. Il n'y a plus de place là-dedans. Moi, je vais garder la stone du coup. Je vais juste ranger les slabs. Il va nous falloir du lait. Pour le lait, on va prendre un market. On va prendre celui-ci. Parce qu'avec ce market-là, je vais pouvoir m'acheter des œufs d'animaux. Donc, il va me falloir 4 planches. 1, 2, 3, 4. Il va me falloir du string. Voilà. Et donc, market, let's go. On va le poser là pour l'instant, le market. Ouh, market speculation. Très bien. Et si on va en arrière, on peut prendre un cow. Voilà. Et du coup, avec le cow, voilà, le petit seau de lait. Oui, c'est ça, fait du bruit. Je te laisse tranquille. On va mettre le seau de lait là. Non, mais non. Il pleut, forcément. Ok. Alors, par contre... Voilà, dégage. Le lait est là. Normalement, j'ai du champignon là-dedans. Ouais. Nice. Oh, ça fait popper un petit slime d'ailleurs. Ah ah. Oh, pas qu'un peu d'ailleurs. C'est bon. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on a eu là-dedans? Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Obsidian Skull. Grant immunity to burning et 50% résistance à fire damage. Ah, pas mal. C'est pas mal ça. Antidote charme. Bah tiens, regardez, on voulait de l'énergie. Bah on en a là. des lunettes et un disque. Ok. Tu sais quoi? Tiens, je te donne de l'énergie en plus, comme ça. Bah t'as de l'énergie en plus, c'est très bien. Bah maintenant on a notre slime. On a nos strings. On va pouvoir poser slime, string et avoir nos processeurs. Et d'ailleurs ça m'en fait un petit paquet. C'est plutôt cool. Je peux ranger ça là-dedans. Voilà. Ça c'est un bobble. Ouais, et niche. On va le mettre là-dedans, ça peut toujours servir. Et on va mettre ça là-dedans. Très bien. Oh, please, là, je suis désolé, mais non. Oh. Tiens, parfait. Air charme encore. Ça j'en veux pas et ça j'en veux pas. Ok. Air charme, on va le stocker. Night vision, il est quand même pas mal. Hein. J'ai pas envie de le changer, mais lui, il est pas mal. Donc, on va le garder ici en attendant. D'ailleurs, je peux le mettre là. Voilà. Continuons sur quoi on était lancé. Ça on est où silicone, ok, ça a bien avancé, silicone c'est bien. Il nous faut du diamant et il nous fallait quoi d'autre? Redstone. Ok. Donc, retournons au niveau de la partie Refine Storage, puisqu'il faut qu'on fasse cela. Oh, tu me diras, je sais pas combien il en faut, donc je vais plutôt faire celui-là d'abord. Ok, lui il va être cuit et avec toute cette brique on pourra se faire des bonsai pots après. Je vais d'ailleurs les faire tout de suite, voilà. Tac, bonsai, nice. Tac, contrôleur, bim, il a de l'énergie, super. Maintenant que le contrôleur est fait, il peut dégager. Il va nous falloir le crafting grid. Donc pour le crafting grid, il va nous falloir le grid. Il va nous refalloir un advanced processor. Donc, je lui en demande un. Déjà, tout de suite, que je vais cuire tout de suite. Comme ça, il sera fait. Il va nous falloir deux improve. Oh, tu me diras, j'aurais pu les faire sur moi, les improve. Mais allez, hop. J'en fais trois, même s'il en demande deux. De toute façon, c'était les derniers gold que j'avais. Et il faut que j'en fasse couler, d'ailleurs. Parce que si j'en ai besoin, ça pourrait être pas mal d'en avoir pour après. Ça c'est good, il va nous falloir cela, donc ça c'est les classiques. Hein. Il nous en veut deux. Donc on en fait que deux, hein, puisqu'il en demande que deux. Récupère ça s'il te plaît.
il nous faut Glowstone. Et l'autre, je ne sais plus, on verra hein, qu'est-ce que c'est que l'autre. Hop, j'ai mes deux. Pouf, je vais récupérer celui-là qu'on va transformer avec de la Glowstone. Je crois que c'est Quartz l'autre. Hein. Toc. Et bim. Yes, c'est ça, c'est Quartz. Donc grid, il me faut juste le vert que j'ai stocké ici tout à l'heure. Agreed, alright. Viewing items. Vas-y. Ah, y a pas de quête pour ça? Descends. Bah, j'étais dessus, pardon. Ah, il veut peut-être celui-là d'abord. Ok. Donc avant d'aller plus loin, on va faire ça. Il en veut un autre. Très bien. Ouais, de toute façon, il en faut deux. Hein. Donc je fais les deux. Range ça là-dedans. Ça aussi. Un écu, mon petit pote. Ah, je sais qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse d'autres fours aussi. Les améliorer. On verra un peu plus tard. Hein. Il me faut un chest. Y'a pas de chest là-dedans? Très bien. Bah là, il y en aura un. Voilà. Et ceci. Hop là. Ouais, disque drive. On va le poser là. Et du coup, l'autre, il me le compte. Ouais, il me le compte l'autre. De toute façon, lui, faut pas que je le pose, faut que je le recrafte derrière en crafting grid. Et là, il veut une table de craft. Ok. 1, 2, 3, 4. On part sur la table de craft. Et on part là-dessus. Crafting grid. Voilà, super. Ok. Maintenant. Ouais, maintenant. Ah, tiens, d'ailleurs, là-haut, ça c'est terminé. On récupère le silicone. Maintenant, paf paf paf, il va falloir qu'on fasse le 1 cast rage. Donc c'est du silicone, du quartz enrich, de la redstone et du verre. J'ai ce qu'il me faut. D'ailleurs on va directement taper 4K après pour avoir ce qu'il nous faut. C'est quoi tous ces trucs là? Oh, 16 000. Ok. Donc le CSK va me demander du basic processeur. C'est quoi ce bruit? Pas fou, j'ai entendu un bruit. Je ne sais pas ce que c'était comme bruit, mais tant pis. Donc du coup, je disais... oui, le 4K. Il nous faudra des basiques pour après demander des improves. Ok, donc c'est là qu'il va me falloir de l'or. J'aimerais me faire un 16K au moins. Au minimum. Hein. Donc, pour le 16K, il va me falloir... C'est quoi ces trucs-là? Des seeds. Un K. What? Mais c'est quoi ce bruit? C'est la musique ou ça se passe comment? Je sais pas ce que c'est ce bruit, c'est bizarre. Hein. Mais ouais, c'est bizarre ces trucs là, c'est quoi? Tu veux me dire que ça... 8 4K storage 10 plus un 1K. Enfin ça me fait pousser des cells. Growable cells, what? Ouais, ça a l'air d'être que ça. Non. C'est pas possible. J'ai envie de tester. On va tester, on va voir. Si je fais ça. Ok, j'ai les 9. Tiens. Oh mais j'ai plus de place là. Enlève la cobble. Ça tu peux te stacker. Les bonsaïs, on peut les mettre là-dedans. La stone aussi. Le bucket aussi pour le moment. Ok. Nice. Donc on a tout ce qu'il nous faut là. Est-ce qu'on a des beetroots? Non, mais je suppose que je peux en acheter là-dedans. Si on retourne en arrière, on spam clic. Allez. Allez. Ah oui. Ok. Nice. Et du coup, si je fais ça. J'en ai fait un de trop d'ailleurs. Comment ça j'en ai fait un de trop? J'en avais fait que 9, non? Bon, bref. Un carry fine seeds. Ah, c'était des quêtes, ça? Où est-ce qu'elles sont?
Là-dedans? Non. Simple storage, non. Crops, ah ouais. Did you know that you can grow storage cells? What the fuck? Tu peux faire pousser des cells? Non. Placing a pure block under the farmland. The crops is planted on will give an additional seed drop when mature. What? Placing a quartz block will instead cause an additional cell drop. What? 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 Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir de la bone meal? Bone meal, please. J'en ai pas ici. De la bone meal, je sais que je peux en avoir avec ça, mais il me faudrait que je mette mes... Je vais récupérer de la bonne mille rapidement parce que je suppose que je peux le faire pousser rapidement avec de la bonne mille. Enfin, je suppose, j'ai pas essayé, on verra. Hein. Ça se trouve, il voudra pas. Oh, ce serait bien qu'il puisse. Les 25, on va les remettre là et on va remettre les strings. Je crois que c'est les strings. Hein. Dust. Ouais, dust, c'est ça. 20%, très bien. Nice. Ok. Donne. Ok, ça j'en veux pas. Ouais, j'ai 10 bonnes mille, ça devrait être suffisant. Oh. Non mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non. Mais non. Mais c'est débile. Mais c'est débile. Et du coup, si je mets celui-là en dessous, là j'en aurai deux. Ah. Oh, mon dieu. Ce jeu. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager un petit peu tout ça. Ok. On fait un petit peu de place, voilà. Les cells, on va les mettre là. Je vais en farmer un petit peu des cells, du coup. D'accord. Pour ça, on va prendre un petit peu de dust. On va les placer là-dedans. Et on va se faire la blinde de bonne mille. Pour ce qui est de la bonne mille, d'ailleurs, il faudrait qu'au prochain épisode, on fasse la ferme à mob. Parce que là, on a refine storage. Au niveau des cells, on peut en avoir l'infini, apparemment. Donc, ouais, c'est plutôt pété. Je vais essayer de faire les grosses seeds, comme ça, je serai tranquille. Pour les cells, en tout cas. Si je peux essayer de me faire une graine de 16K... Ah, mais alors là, on est royal, hein. On est royal, les gars. Toc. Et les filles, bien sûr, hein, pour les filles qui regardent, bien entendu. Donc, au final, il faudrait que... Hop, je dégage ça. Ils sont là, j'ai eu peur. Toc. Non, mais ça marche aussi avec ça? Oh mais non! Mais non! Mais non! Mais ce jeu! Oh! Oh! C'est sale! J'ai même pas besoin de bonne mille, quoi! J'ai même pas besoin de bonne mille! La blague! Donc oui, je récupère cela. Si on veut se faire les autres graines, chose qu'on va faire tout de suite, il me faut 8 cells de 4K. Une cells de 4K, c'est 3 1K. Donc il me faut 8 et 8, 16 et 8, 24. Il me faut 24 1K. Ok. Et une fois qu'on a les 24 1K, on pourra se faire la graine du 4 et essayer de passer à la 16. Et peut-être même essayer la 64. Mon dieu, la débilité. La débilité du truc. Je vais faire ça rapidement hors cam. Je vais peut-être vous mettre un accéléré, j'en sais rien, mais je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Mais en gros, ouais, je vais twerker là pendant un petit moment histoire de récupérer tout ce que j'ai besoin. Allez, voilà, je vais rester clic droit et appuyer sur le bouton de twerk histoire de récupérer toutes les cells que je veux. Oh, mais c'est stupide. Aïe. We'll be right back.
On revient ensemble très rapidement, histoire que je fasse la 4K. Tiens, on en fait 3 d'un coup. Et on va les mettre dans des disques. Mm-hmm. Comme ça, ça nous fait notre quête. Et du coup, les disques, ouais, il faut que je les garde finalement. Puisqu'on va les transformer. Direct avec cette petite graine là. La graine 1K. Oh my god. Mais je vous jure, hein, c'est stupide ce truc. C'est vraiment stupide. Parce qu'au final, là, en termes de stockage refine storage, bah on est infini. Littéralement. Littéralement infini. C'est plaisant. Mais du coup, je vais avoir la graine de 4K. Et ensuite, je pourrais farmer le 4K pour me faire le 16K. Par contre, le 16K, il me faut juste de l'or en plus. Hop, il y en a encore. Ouais. Et clac. Oh là là. Et puis après, on va remplir le truc de 16K. On n'aura plus de problème avant très longtemps. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se faire. Tiens. Les deux petits derniers. On va récupérer tout. Oh, j'ai plus de place. Tiens. Hop. Hop. Boum, boum. Et là, on est parti. Mets-toi là, mets-toi là. Et la petite graine 1K. Oh là là, 4K. Mmh. Est-ce que si je le casse, on récupère la graine? Et en plus, on récupère la graine. Non, mais alors ça, j'aurais tout vu. C'est vraiment, vraiment un mode complètement pété. Hein. Je vais au préalable récupérer quelques graines. Hein? Histoire de dire. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Voilà. Donc, j'ai récupéré une petite graine, là. C'est au moins pour avoir un petit backup. J'en veux au moins une. Et du coup, le reste, tu peux y aller. Hein. Tu peux mettre le bloc de quartz et du coup, farmer comme un petit cochon là-dedans. Hein. On va remettre ça à l'intérieur. Hein. Ah, sinon, faut juste que je crafte plusieurs improves. Parce que maintenant, si on veut passer au tir supérieur, c'est-à-dire celui-ci, il va nous falloir des improves maintenant. Et les improves, bah, c'est comme ça, c'est juste avec de l'or en plus. Hein. Donc ça, c'est pas trop un problème. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il me fallait de l'or. Hop, on va refaire couler un bloc. Je pense qu'on aura ce qu'il nous faut après. Donc, si je fais ça, ça, ça et ça. On a 27, ça fait 1, 2, 3 avec celui-là. 4, 5, 6, 7. Il nous manque quoi exactement? De l'or? Bah tiens, voilà. Donc il nous en faudrait encore 4 lingots. Et on peut se faire les 16K, la graine de 16K, et dire adieu à nos problèmes de stockage. Ouais. Nice. Oh, nice. Donc ça, je vais le séparer en 5. Voilà. Bim, 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 et bim. Faut juste que je lui redonne un petit peu de bois, parce que j'ai vu qu'il était un petit peu à la dèche. Voilà. Vu que pour l'instant, je cuis qu'au bois, parce que c'est suffisant. Tiens, prends un demi-stack, c'est mieux. Prends un demi-stack, c'est mieux. Voilà, impeccable. Et ouais, comme je disais, j'ai juste à ranger ça là-dedans en attendant. Tac. Et du coup, ici, refarmer mes disquettes. Oh. C'est vraiment ridicule. Bim, 8-16K, bim, nos petites graines, enfin nos petites disquettes, pardon. On récupère la graine qui traîne ici, et bim, la graine des 16K. Mais tout va bien, messieurs, dames, tout va bien. On replante ça, on lui accélère un petit peu le fion. Voilà. Très bien, j'ai eu ma graine en rab que je garde ici précieusement. Toujours garder du rab. Ensuite, on remet ça. Et je dirais, allez, soyons fous. Passons au niveau supérieur. Faisons les 64K. Comme ça, on est peinard. Direct d'entrée, on se fait les 64K. Et on a vraiment
plus du tout de problème. Parce que je pense pas qu'un jour je remplisse tout ça. Yep, parce qu'on va beaucoup utiliser les drawers comme à chaque fois. Mais on est reparti du coup. Il faut que je me crafte maintenant. Je récupère tout ça. Pif, paf, et pouf. Clac, clac, clac. Ouh, il me manque quoi? Redstone. Tu disais, il me manquait quoi? Vas-y, recommence. Ouais, je préfère. Du coup, là, il me manque quoi? Ah, il me manque les processeurs binding. Ah. J'en ai plus du tout. Faut croire que non. Et j'ai dû me servir de tous mes slimes. Oh. Donc, je vais devoir réinvoquer Mademoiselle la vache. C'est vrai, c'est pas grave. Pas très très cher. Ah, par contre, il faut revenir tout à droite. Ah. Elles font trop de bruit, les vaches. Je suis obligé de les tuer au fur et à mesure parce que... c'est vraiment super désagréable de les entendre brailler, là. Vous avez vu ça? Tu me diras. Tiens. Tu peux... vas-y. Ouais, calme-toi, calme-toi. Comme ça, j'aurai mon slime, là. Zou. Voilà. Et on a plein d'autres slimes. Très bien. Hop, le string. Prends ça, s'il te plaît. Voilà, merci. Tu récupères. Paf. Paf, paf, voilà. Maintenant, on en a. En veux-tu, en voilà. Donc, en théorie, si je fais ça, ça et ça. 47, c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Donc là, on en a 1. 2. 3. 6. 7. Et 8. Voilà, il n'y a plus qu'à cuire ça dans les fours. Et on est bon. Et on est super bon. Voilà ce qui arrive quand on n'est pas sage. Tiens. Hop là, les 64K. Parfait. Tiens. Mets-toi là-dedans maintenant. Et zbim. On veut notre petit backup de graines, n'est-ce pas? Voilà, on a notre petit backup de graines. Impeccable. Et maintenant, on peut lui dire go, enlève ça. Tu mets ça ici. Et tu m'en farmes un tout petit peu plus. Et on aura tout le stockage qu'il nous faut. Donc là-bas, on a que 8 slots. Hein. Ça veut dire qu'il faut que je le fasse 4 fois au bas mot. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Fuck you. Voilà. Et ça, on va pouvoir le mettre. Tac, 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 tac. Voilà, on a full stockage. Full stockage. Donc on peut maintenant y aller à cœur joie et tout ranger là-dedans. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le plaisir. Le plaisir. On arrive. Je vais même faire ça, regardez. Hop, je range tout ce que je veux garder sur moi. Ah, la time in battle, je veux continuer à récupérer du time. D'ailleurs, là-dedans, ça récupère plus de time. Non, évidemment. Zbim. Et zuuuu. Voilà. Et ça consomme 0%. Alors il y a beaucoup de choses que je suis en train de mettre dans Refine qui n'ont rien à faire là-dedans parce que c'est... Il y a des choses qui servent à rien en fin de compte que je pourrais jeter directement. Mais tout ce qui est tri, je le ferai plus tard. Hein. D'ailleurs pour ceux qui se demandent comment je fais pour récupérer autant d'items d'un seul coup dans mon inventaire, c'est tout simplement j'appuie sur la barre d'espace et je fais clic gauche. Et ça récupère tout. Normalement si je fais ça aussi... Non ça marche pas avec Refine Storage évidemment parce que Refine Storage n'est pas au même niveau qu'Applied. Tu me diras, je suis même pas sûr qu'Applied fasse ça aussi. Hein. Ma foi, voilà quoi. On se met vachement bien. On se met vachement bien là. Parce que du coup, on consomme que dalle en énergie. Juste pour pouvoir stocker tous nos items. Et moi, c'est comme ça que j'aime bien commencer une aventure. Tu vois. Là, maintenant, je peux me dire, ok. Maintenant, je vais me poser. Et je vais réfléchir un tout petit peu
pour savoir comment je vais construire ma base maintenant. Yep. C'est comme ça que je fonctionne. Donc pareil, hein, tout ce qui est minerai, je les fous là-dedans. Je veux qu'il n'y ait aucun storage externe, à part mon stockage ici. Donc tout ce qu'il y a ici aussi, pareil. Hein. Je fais aucune distinction. Tout est rangé là-dedans. J'en ai oublié un petit peu sur moi, mais c'est pas grave. Voilà. Tac. Et du coup, on n'a plus rien normalement qui traîne. À part ça, d'ailleurs, ça, il faudrait que... Pour la miniature... Pour la miniature, je vais planter les 4 graines à côté. Alors ça, il n'y a pas moyen que je fasse autrement. Il n'y a pas moyen que je fasse autrement parce que là, c'est quand même assez débile comme graine. Hein. C'est vraiment super débile comme graine d'ailleurs. La vache. J'en reviens pas. Mais du coup, on a utilisé que 1% sur tout ce qu'on avait dans les deux. Et maintenant, on a tout là-dedans. Oh là là, le plaisir. Et on peut crafter. Et ça, ça c'est bien. Tu vois, je vais me faire des chests. Ok, pas de problème. Voilà, j'ai mes chests. Oh, c'est trop bien. Du coup... Pareil, j'ai beaucoup de lave maintenant, la vache. Oh, tout ce que j'ai, c'est stupide. Ce modpack est stupide, les amis. Il y a beaucoup trop de trucs complètement pétés sur ce modpack-là. En tout cas, si vous voulez vous éclater sur un modpack sans vous prendre la tête et que ce soit simple, facile, et que ça parte en freestyle, ce modpack, il est fait pour vous, vraiment. Pour le moment, en tout cas, je suis comblé. Ce modpack-là m'apporte énormément de plaisir à jouer, finalement. Il n'y a pas de challenge pour le moment, mais justement, on est en mode pépère, donc tout va bien. Les challenges, je les garde pour les lives, comme ça, vous me voyez un petit peu criser et m'arracher les cheveux, n'est-ce pas? mais du coup, ouais, il n'y a pas plus de challenge que ça pour l'instant. On verra vers la fin du modpack, et surtout, on verra quand on commencera à faire notre base, quand on commencera à faire de la déco. Je pense que je vais essayer de m'attaquer... Déjà, prochain épisode, on a dit faire ma mob, mais il faut que j'essaie de regarder pour l'Angel Ring, pour que je puisse vraiment être vraiment à l'aise pour faire ma base. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire attention à pas tomber. Même si je sais que si on tombe dans le vide, on retombe d'en haut. Hein, parce qu'on m'a spoilé dans les commentaires. C'est pas bien ça. Bref, sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Portez-vous bien. Et à bientôt les amis. Bye.